Une surveillance continue de l'état du patient et de l'efficacité des traitements est indispensable compte tenu de la rapidité d'évolution des pathologies qui conduisent les patients en réanimation. Les services de réanimation sont particulièrement adaptés à cette surveillance étroite. Elle s'effectue grâce aux appareils de surveillance, aux examens sanguins, à certains examens d'imagerie et à la présence continue d'une équipe médicale et paramédicale. Un grand nombre de paramètres vitaux sont surveillés en réanimation. La fréquence cardiaque, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la température ou encore la quantité d'urine produite par les reins. Les appareils présents dans la chambre, comme le respirateur ou la dialyse, sont également surveillés et sécurisés par des alarmes. La surveillance des paramètres vitaux obtenus à l'aide des capteurs disposés sur le patient apparaît sur l'écran situé dans la chambre, appelé scope ou moniteur. Ces paramètres apparaissent également sur un écran principal situé au niveau du poste central des infirmières et infirmiers. De cette manière, la surveillance du patient se poursuit même lorsqu'il n'y a pas de soignant dans sa chambre. En cas d'anomalie des paramètres surveillés, une alarme retentit automatiquement. Les alarmes sont différentes en fonction de la gravité de la situation. Ainsi, une alarme qui retentit dans la chambre du patient ne signifie pas forcément que quelque chose de grave se passe. Parfois, il ne peut s'agir que d'un simple défaut de capteur. Les équipes soignantes reconnaissent les alarmes et adaptent la rapidité de leur intervention à la situation.